Oh, tout le monde, voilà. Quelle belle journée. Regardez quoi. C'est pas beau ça là-bas? Les beaux petits moutons là-bas, tranquilles, posés. Ils s'en font pas. Alors, je fais ça, c'est juste pour répondre à une question. Dylan, ton colis, bon, ben, j'attends ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Il est prêt, il n'y a plus qu'à envoyer. Non, là, je fais ça pour... Alors, attendez, je vais pas vous montrer son adresse quand même, ça serait con. Comment il s'appelle lui? C'est Christian de Tours. Alors, je te montre. Alors, en fait, la boîte, comme j'ai essayé de t'expliquer, à comprendre. Alors, la boîte, oui. Ça là, cette boîte là, tu vois, tout ça là, voilà, avec les fourchettes comme ça. Cette boîte en fait, c'est pour les modèles jusqu'à 2002. À partir de 2003, ces rondelles là en fait, elles sont soudées ici, tu vois. Si tu veux, ça c'est comme ça quoi. Et c'est soudé en fait. Tu vois, il n'y a plus ce système de mettre les rondelles machin parce qu'ils se sont aperçus, je pense, que les gars, quand ils démontaient leur moteur, ils perdaient les rondelles. Et juste pour info, cette rondelle, tu vois, t'en as 3, t'en as 2 sur l'arbre celui-là, là. Tu vois. Là-dessus, il n'y en a pas. Donc t'en as 2 là, une là, une là. T'en as une sur le barillet et 2 sur... Et 2 sur l'axe, comme ça, tu vois. T'en as une en bas, tu vois, comme ça. S'il arrive à la sortir, c'est haut leur chien. Voilà. Là, t'en as deux comme ça. Alors, celle-là, c'est la moins chère. Elles valent 50 centimes, tu vois. T'en as une là. Il arrive à la mettre. Voilà. Et t'en as une autre, tu vois, qui se positionne ici au-dessus du circlip, tu vois. Et ça, c'est comme ça dans ton carter, tu vois. Alors, la petite comme ça, elle vaut 50 centimes. Jusque-là, tu me diras, bon, ça n'est pas cher la rondelle, tu vois. Alors, après, je te montre. On va faire comme ça. Alors, voilà. Alors celle-là, c'est celle qui va là, n'est-ce pas? Merci. Et celle-là, tu vois, c'est celle qui va. Ouais, d'accord. Oula. Il faut faire gaffe, c'est super fin. C'est celle qui va ici, tu vois. Alors celle-là, on est d'accord, c'est pas les mêmes, je te montre. Tu vois, celle-là est plus grande que celle-là. Logique, vu que là, c'est plus grand, quoi. Alors celle-là, si tu vas chez Yamaha, comme moi, tu vois. Alors chez Yamaha, celle-là, elle est facturée 12 euros. Tu vois. Alors 12 euros, t'as ce côté. Tu vois. Voilà. Et celle-là, tu vois, elle est facturée 15 balles. Bon, par contre, c'est la bonne rondelle. Hein, tu vois, c'est épais, tu vois. Donc après, bon, ben, c'est toi qui vois, tu vois. Après, 9, tu vas sur la boîte, hein. Tu auras juste ça par contre. Tu auras ni fourchette ni ça. La boîte, pardon, sur 50 factory. Excuse-moi, je suis enroué. Sur 50 factory, les deux arbres, avec les rondelles, machin, t'en as pour 113 euros, tu vois. Par contre, ça, t'en as pour 60 balles pièce. Donc après, bah, tu me dis, hein. Moi je t'envoie, tu vois, le complet, tout ça, avec ça, c'est côté Villebrequin, tu vois, voilà, tout ça. Tout ça complet, je te fais pour 100 balles, mais si t'es sérieux, hein, sinon je te fais juste ça, 80 euros, tu vois, complet, 90 balles, quoi. Donc voilà, tu me dis. Bon, Dylan, toi, ton colis, il est là, hein. Et mine de rien, ça baisse, hein. Il ne me reste plus trop grand chose. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour expliquer à Christian ben ça. Et ouais, ça, c'est 60 balles pièce normalement. Et tu vois, elles sont nickel, mon gars. C'est moi, j'entretiens mon matériel, tu vois. Tu peux demander à ceux qui suivent ma chaîne ce que tu veux, tu vois. Voilà quoi. Donc tu me dis, hein? Et voilà. Sur ce, à plus tard, j'ai du boulot qui m'attend.